Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes ces fifous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite Pokémon version H-Grey, un jeu à qui reprend l'animé. Alors, on se retrouve pour l'épisode 52, le jardin mystérieux. Dans l'épisode 51, on avait donné le Togepi arrondi suite à un petit combat. Et cet épisode-là va être dédié à Bulbizarre. Salut, mec. Hey, gamin, laisse-moi voir ce que tu vaux. Ok. Donc voilà, donc en fait, l'épisode est dédié à Bulbizarre. Donc là, on va mettre la raclasse, mec. Et parce qu'en fait, c'est une histoire, en fait, c'est... Un groupe de Bulbizarre se regroupe chaque année pour évoluer, et puis Bulbizarre va refuser en fait. Tout simplement. Il dit qu'il est bien comme il est. Ouais, tiens! Sérieux? J'aurais été dégoûté s'il faisait 5 fois, oui. Donc, on défonce, ça c'est bon, fini combat, on va laisser peser. Wow. Je t'ai montré ce que tu veux aller. Oh, les choses ne va pas avec ton Bulbizarre. Il semble buter son poupe en train de se développer, je sais pas quoi. Ton Pokémon est super, ouais, je sais. Donc en fait, il semble lutter sur quelque chose, on sait pas ce qu'il a. Il a quelque chose qui va pas au Bulbizarre. Donc on va aller voir l'infirmière Joël. Voir ce qui se passe. Il n'y a personne, putain, c'est mort. Oh, mais quelque chose ne va pas avec ton Bulbizarre, laisse-moi voir. Tu n'as pas d'inquiétude au sujet de de Bulbizarre du tout, Sacha. Il n'est pas mal du tout, au contraire, il est sur le point d'évoluer. D'accord, chancé. Je vais me soigner. Donc, il est sur le point d'évoluer, hein. C'est le truc là que. Cette histoire. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? On s'en fiche un peu. C'est Yoshi Yugen, ok, salut. Donc là, on va rejoindre ici où il y a une tonne de Bulbizarre qui nous attend. Salut, mec! On parle au boss. C'est le festival évolutif des Bulbizarre. C'est un Venusaur, donc c'est un Florizarre qui fait évoluer tous les Bulbizarre. Ok, là, ils vont évoluer. D'accord. Oh, bizarre. Les Bulbizarre sauvages ont évolué, mais le tien ne veut pas évoluer. Venusaur. Venusaur semble en colère au sujet de ton Bulbizarre qui ne veut pas évoluer. Sorry, mais de vous déranger pour votre festival, mais. Le bulbizarre est en colère, au sujet de mon ami. La raison parce qu'il ne veut pas évoluer. Mais si il ne veut pas évoluer, c'est son choix quoi. On peut pas le forcer à faire ça, on peut pas le forcer s'il veut pas. Voilà. C'est à lui de décider s'il veut évoluer ou non. Bon, comprendre un signe de tête, et après une réflexion, il comprend la décision du bizarre. Et il veut faire apprendre cela. Quoi? Non, moi je vais pas prendre Solarbeam tout de suite. Bah écoutez, je peux vous dire que cet épisode est déjà fini. Hein, je crois que tout ça est déjà fini. Hein. Ouais, c'est ça, l'épisode est déjà fini. Bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Moi je vous dis ciao et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.